ci spiega che Togo Togo in Ewe vuol dire dall'altra parte del lago ed è lì il nome che poi ha preso il paese. Questo è il paese più antico. Ci sto entrando pure prendere se je peux. Là on a des masques. Oh, ben, ça c'est l'officiel de l'association. Ah, c'est coopérative. C'est une coopérative artisanale. Oui, ah. Et aussi, il y a précisément le siège de l'association. Bonjour. Les deux petits monuments qui symbolisent conflit de génération, le vieux à tradition, le jeune à moderne. C'est le vieux qui donne le conseil à son fils. La manière que le jeune a tenu la chaise pour écouter le conseil, ce n'est pas respectueux. C'est pourquoi on a fait le monument, pour faire savoir aux jeunes, ce n'est pas bon d'être comme ça devant un sage pour écouter le conseil. Là, c'est deux mondes différents. Tradition ou moderne, conflit de génération. La guida ci dice che ieri, mercoledì, era il giorno del mercato, che è un mercato interessante perché si possono scambiare i prodotti, quindi i pesci contro il mais, eccetera. Quindi, e ci racconta anche che la prevalenza di cultura religiosa in questo villaggio è animista, è voodoo, ma ci sono anche molti cristiani. Questa chiesa che vedete venne costruita la prima dai tedeschi, era protestante, poi arrivarono i francesi, la cambiarono immediatamente e la fecero diventare una chiesa cattolica. Interessante sotto il profilo antropologico. Naturalmente questo non penso abbia destato scalpore all'epoca. Le pitture parietali che narrano le storie dei martiri cristiani di quest'isola, pitture parietali che mi sembrano parlare lo stesso linguaggio dell'arte che abbiamo visto nel tempio Voodoo Ewe di ieri, il linguaggio che l'uomo usa per parlare del mistero è sempre il linguaggio dell'arte. Et le jour du marché, c'est ici qu'on fait le troc. Vous rentrez dans ce niveau, ça veut dire que vous voulez faire le troc. C'est ici qu'on pratique le troc. Il luogo del mercato. Oui, oui. Oui, c'est ici qu'on fait le troc, ici seulement. Et les autres places, c'est l'argent qu'on utilise pour. Ah, si vous voulez faire le troc, il faut venir. Oui, il faut venir ici. Ici, stiamo andando a vedere il voodoo del mercato, praticamente la divinità protettrice del mercato, ma alla quale vengono fatti doni. Se le vendite sono andate bene, se tutto è andato bene, poi si torna per ringraziare la divinità. Ah, voilà. C'est fermé. Donc disons c'est le typique statut rituel Ewe. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Dit comme quoi? C'est-à-dire les gens ils arrivent. Oui, l'arrivée ça représente une femme ici et les gens viennent prier. Donc ce que tu demandes. Et donc si ça vient, tu vas venir offrir. Ça c'est l'offrande qu'on a ajoutée là-bas. Vous voyez, bon, tu amènes quelque chose pour vendre, tu n'as pas la chance, tu veux venir ici ce matin et tu fais comme ça. Trois fois. Et puis tu dis, oh, bon, je suis venu dans le marché, donc aide-moi à avoir la chance pour vendre ce que j'ai amené dans le marché. Bon, si ça arrive, après tu vas venir offrir quelque chose à vous. Protège les femmes. Si les femmes sont enceintes, il y a des certains trucs que la femme n'a pas le droit de lui faire. Peut-être que la femme est envoûtée par quelqu'un. Au cours de l'accouchement, ça devient difficile. Là, on vient ici, on fait la prière. Et l'arbre va aider la femme à accoucher facilement. Et le nom qu'on va donner à l'enfant, c'est le nom de cet arbre. Cet arbre s'appelle Logo. Si c'est un garçon, c'est Logo. Oui. Si c'est une fille, c'est Logo aussi. Et chaque année, on lui coiffe ça. Une personne ne dit pas qu'on va lui couper les branches, on lui coiffe. Et ce bois-là, c'est interdit de brûler au feu par les logos et les logos aussi. Et on fait la cérémonie à l'intérieur. Quand il pleut, il y a l'eau qui dérange le bruit à l'intérieur.
Donc le vaudou a mis des gens en transe. Quand quelqu'un est tombé en transe, ça, le vaudou transmet le message à dire aux autres. Donc c'est pourquoi on consomme le champ pour le vaudou. Et aussi si une femme est atteinte de mauvais esprit, on perd une chèvre. On transfère le mauvais esprit dans l'homme vers la chèvre. Quand on tue la chèvre, on enlève les intestins pour accrocher ce tue-là. Ça veut dire qu'on a tué le mauvais esprit. Ce que la personne souffre là, on a transféré ça vers l'intestin de la chèvre. C'est ça qui est là-bas. Et aussi, les habitants de Togoville sont quittés d'Égypte. Il y a une partie qui est restée Khartoum, Soudan, et de Yo, Nigeria, à Kitou, Bénin. Et le vaudou qui est ici, ça vient de l'Égypte aussi. Et le vaudou, son explication, c'est liberté dans la cité. Le vaudou, c'est liberté dans la cité, et ce n'est pas pour faire du mal, c'est pour faire du bien. Nous avons une prêtresse dans le village. Si elle suspecte cette personne qui utilise vaudou pour faire du mal, si la prêtresse a suspecté la personne, elle peut juger la personne. Si on t'a jugé, ça veut dire que tu es maudit. Le vaudou ici, c'est pour faire guérir les gens, les maladies spirituelles, tout cela. C'est, le vaudou, c'est ça son travail. Et non pour faire du mal. C'est ça le vaudou. Ah, ici, et ici, c'est le couvent vaudou. C'est le palais vaudou. Ah, le palais vaudou. Oui. Oui. Si quelqu'un est tombé malade, maladie spirituelle, on met la personne au dispensaire. On fait tout à l'hôpital. Si on a constaté que c'est spirituel, là, on fait l'oracle. Si l'oracle décide que c'est le vaudou qui va faire guérir la personne va faire le couvent. Là, la personne doit initier d'abord et on change le nom de la personne, on donne le nom de vaudou à la personne. Et la personne va apprendre la danse vaudou, la chanson du vaudou, sans porter habits et chaussures. C'est seulement pas durant un an, deux ans. Et après, la personne va sortir, il va montrer ce qu'il a appris à l'intérieur. Il va montrer ça aux gens et effectivement, les gens vont effectivement qu'il a fait le couvent et la personne serait guérie. Et si ce n'est pas grave aussi, on perd une chèvre dans l'homme, on transfère un mauvais esprit dans l'homme vers la chèvre. Quand on tue la chèvre, on enlève les intestins ou accroche sur le mur ici. On accroche les intestins, ça veut dire qu'on a tué un mauvais esprit. Et si on prépare la viande, on donne le vaudou avant que les gens commencent pas à manger. Le vaudou, il protège ici la voie, puis le mauvais esprit passe ici, les chasse. Et on met le sang sur la porte du couvent, si le mauvais esprit doit rentrer, à déranger les gens qui sont à l'intérieur du couvent. Si on voit le sang sur la porte, il n'arrive pas à rentrer à déranger les gens qui sont à l'intérieur. Mmh. C'est le sang qui chasse les mauvais esprits. Mmh. Parce que c'est, ça peut être ici la voie. Mmh. C'est ça, donc ça, c'est pour chasser les mauvais esprits. Que les mauvais esprits dérangent la personne, que la personne arrive dans le couvent. S'il vient encore, le sang, ça les chasse les mauvais esprits. C'est fait par la prêtresse ou c'est fait par... Non, ça s'appelle un prêtre, mais c'est différent. Le prêtre qui est ici, c'est différent de la prêtresse. Ah bon, j'ai compris. Ok. Ok, ici c'est la première place de ce village. L'arbre, ça c'est arbre jumeau. Mâle, femelle. C'est protégé par les jumeaux. Si les jumeaux sont nés dans le village, ici, dans la ville, pour avoir une bonne vie. Et les jumeaux sont protégés dans le village. Et aussi ici, c'est arbre à palabre. C'est ce que les gens sont venus pour parler du développement de ce village. Et le nom chrétien, ça vient d'ici. Le nom qu'on a été sur le puits, ça vient d'ici. Le temps que nous arrivons, j'étais ici. Il y a des oiseaux qui serraient, qui chantaient. Les parents disaient, les oiseaux, n'a qu'à faire ce qu'ils pleuraient. Donc c'est le nom de ce quartier de Thiago, vraiment plus loin. Là, ils ont cessé de pleurer. Donc c'est ici une place qui est très sacrée. Donc l'arbre jumeau aussi, mâle femelle. Donc l'arbre, disons, c'est sacré. Oui, l'arbre est sacré. Là, c'est un quartier. Bon, ici, comme ça, on a nous avons 15. Mais 15. Il y en a pour les privés aussi. Ah. Il y en a vaudou individuel pour une personne qui aussi, qui fait guérir les gens. Mais l'esprit, disons, c'est différent ou c'est toujours la même? Non, non, c'est différent. C'est pas le même. Hein. Par exemple, ça? Ça, c'est le vaudou pour la fertilité. Ah, le vaudou pour la fertilité. Oui, les gens qui ont des problèmes d'enfants, problèmes sexuels, ils viennent ici pour faire la cérémonie, pour avoir, pour être fertile. Et le vaudou, là, il s'appelle Takpa. Takpa. Ah, mon gars, la semaine du chien, la semaine du chien. Moi, je suis. C'est le vaudou pour la fertilité des femmes. Des femmes. L'autre qu'on a vu, c'est la fertilité pour les hommes. Les hommes. Hein? Mal fumé. Mal fumé. Vous voyez, c'est chez la prêtresse, elle a fait signe sur ça, jour. Vous voyez, c'est cicatrice, ça, c'est
protégée par la prêtresse. Elle a des piquants sur le corps. Le piquant sert à chasser les mauvais esprits et sert à couvrir les enfants. Ah. Avec le jour Vaudou et la raison, christianisme, il n'y a pas de problème. C'est pas mis derrière Vaudou.